quand on est au refuge et qu'il fait mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On règle les crampons comme il faut. Le crampon, il est important de le régler avant qu'on parte en montagne. Eh bien oui, parce que quand on est en montagne et qu'il fait froid, on n'enlève pas ses gants pour régler ses crampons. Donc le crampon, on prend la coque et on ajuste. Normalement, quand on règle son crampon, voilà, on voit comment j'ai forcé. Quand je secoue ma chaussure, ça c'est pour savoir si j'ai bien réglé. Le crampon, il fait pas de bruit. La corde, elle est tendue. Donc là, mon crampon, il est bien réglé. On peut partir l'esprit serein. Petit point important, quand on achète les crampons, on a souvent une longueur de corde qui est très très longue. Ça sert à rien de la couper, parce qu'en fait, autour de la chaussure de ski, on a besoin d'avoir une corde longue. Et si on s'en sert l'été, on va se rendre compte que c'est trop grand. Du coup, on n'hésite pas, on fait le tour de sa cheville pour continuer à l'utiliser. Abonne-toi si tu veux passer plus de temps dans la nature.